Pendant ce temps-là, les mesures du gouvernement accompagnent la rétribution des richesses créées par les travailleurs à une minorité de privilégiés. L'année dernière, dans le monde, la fortune des milliardaires a augmenté chaque jour, je dis bien chaque jour, de 2,2 milliards d'euros. Les 500 Français les plus fortunés possèdent déjà 571 milliards d'euros de patrimoine, soit 117 milliards de plus, 117 milliards de plus que l'année dernière. Rémission ! En France, en 2018, les 5% les plus riches détenaient 40% des richesses nationales. Et les 1% les plus riches en détiennent 20%. Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec l'augmentation constante de tous les produits de première nécessité sous des prétextes plus fallacieux les uns que les autres. Emmanuel Macron, aux têtes de con, on va te chercher chez toi. Emmanuel Macron, aux têtes de con, on va te chercher chez toi. Ces dernières semaines, la colère a pris une dimension particulière. Si si elle veut aboutir à un progrès social sans concession, devra trouver son prolongement dans un rapport de force par la grève et le blocage de l'économie. Par et avec les salariés eux-mêmes, sans leur imposer. Arrête de colère dans la rue, mon gars! Oh! Oh! Ah!